السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لقناتي. أتمنى أن تكون في المستوى المطلوب والمرجو من طرفكم. شكرا وشكرا وشكرا، لأني قد وصلت إلى 100 مشترك وقد جاوزنا 100، وإن شاء الله نصل إلى 10,000 مشترك بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Action. Aujourd'hui, on va corriger les exercices numéro page 35, 36 et 37. Je regarde l'image, puis je lis. Notre visite du musée. Le samedi 10 décembre, nous sommes allés visiter le musée national Sirta à Constantine. Nous sommes partis de l'école à 8h30 et revenus à 17h. Le musée se compose de plusieurs salles. Notre guide nous a montré des objets anciens. Dans le passé, les Algériens fabriquaient des ustensiles de cuisine. Avec la peau des bêtes, ils faisaient des vêtements. D'une salle à l'autre, nous avons vu des tableaux et des sculptures. À la fin de la visite, nous avons rencontré un sculpteur qui nous a montré ses statues. Quelle belle visite! Les élèves de 5e année primaire, école 1er novembre, Constantine. Je lis puis je réponds. Quel est le titre du texte? Le titre du texte est « Notre visite du musée ». Qui a écrit ce texte? Les élèves de 5e année, école 1er novembre, Constantine. De quelle visite s'agit-il? Il s'agit d'une visite du musée national Sirta, qui a montré des objets anciens. Leur guide qui a montré des objets anciens. Avec ma, mon camarade, je relis puis j'écris quand et où. La visite de quoi? C'est la visite du musée. La date de la visite. Quand est-ce qu'on a visité le musée? La date de la visite, c'est samedi 10 décembre. La ville, où se trouve ce musée? Il se trouve à Constantine. L'heure du départ, 8h30. L'heure du retour, 17h. On passe au quatrième exercice. J'écris les mots du texte qui correspondent aux images. La vie des Algériens au passé. Les Algériens fabriquaient des ustensiles. Avec la peau des bêtes, ils faisaient des vêtements. Cinquième exercice. Je regarde les images, je complète avec les mots du texte. On voit un peintre. Alors, c'est un peintre. C'est un artiste qui fait les... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les tableaux. On va passer au la page 37. Un sculpteur, c'est un artiste qui fait des statues. Exercice numéro 6. Qu'ont fait les élèves à la fin de la visite? À la fin de la visite, les élèves ont rencontré un sculpteur qui leur a montré ses statues. À la fin de la visite, les élèves ont rencontré un sculpteur qui leur a montré ses statues. On passe. 3. 7. Quel est le sentiment des élèves? Je relève la phrase qui le montre. Les élèves sont très contents. La phrase qui montre ce sentiment, quelle belle visite! On passe aux 8e question. Je donne un autre titre du texte. La visite d'un lieu exceptionnel. Ou bien, la visite d'un endroit extraordinaire. الحمد لله رب العالمين لقد انتهينا من تصوير هذا الفيديو نتمنى أنكم تشاركوا وزيد عدد المشاركات
إن شاء الله تفرحوا وتنجحوا وتفرحوا والديكم وتفرحوني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.